Bonsoir et merci de votre fidélité à nos antennes. Voici l'essentiel de l'actualité. Des changements à la tête de la police nationale congolaise et des FARDC. Charles Bisseyimana cède son fauteuil du commissariat général de la PNC à Dieudonné Amouli Baïgwa, venu des FARDC. Raoul Chaloué est nommé inspecteur général en remplacement de Jean de Dieu Oleko, mis à la retraite. Et à la tête de Kinshasa, Silvano Kasongo remplace Célestin Kanyama, qui est nommé directeur général des écoles et formations de la police. Et puis, le pont Maïko à Kisangani dans la province de la Tchopo fera bientôt peau neuve. Les travaux de sa réhabilitation ont été lancés ce week-end, comme annoncé par le ministre des ITPR. Le pont Maïko est d'une grande importance car elle relie l'axe Kisangani-Lubutu qui mène vers la ville de Bukavu au sud Kivu. Enfin, le 18 juillet 1918, date de naissance de Nelson Mandela, est commémoré chaque année à travers le monde. Mandela Day, une journée consacrée à l'entraide entre les humains pendant 67 minutes, pour symboliser les 67 ans de lutte menée par cette icône de la liberté et de la paix. 2017, l'action est menée contre la pauvreté. Chose promise, chose faite, les travaux de réhabilitation du pont Maïko dans la province de la Tchopo ont débuté ce week-end. Ce pont qui relie l'axe Kisangani-Lubutu et mène vers la ville de Bukavu, sud Kivu, date de l'époque coloniale et fragilisée vu sa vétusté. Mais aussi le tonnage de 25 tonnes maximum par véhicule n'est pas respecté. Au cours des travaux, les matériaux détruits sur ce pont seront remplacés. L'anti-rouille sera aussi appliquée sur les matériaux. Question de renforcer le pont Maïko. D'ici deux semaines, les travaux peuvent prendre fin pour que le trafic reprenne sur le pont Maïko. Certaines dispositions ont été prises pour une longévité de ce pont, notamment la sensibilisation des responsables des camions pour respecter le tonnage. Ensemble, le ministère des ITPR et le FONER mettront en place des dispositifs de paysage pour faire respecter les tonnages. Processus électoral en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est enrôlé ce mardi 18 juillet à Kinshasa. Au-delà de sa casquette de président de la CENI, Corneille Nangaa remplit son devoir civique étant citoyen congolais. Une occasion aussi de sensibiliser les potentiels électeurs à s'enregistrer massivement, surtout à Kinshasa où l'on avance lentement mais sûrement de la fin du processus d'enrôlement. Je suis venu accomplir mon droit civique. Je suis venu m'inscrire. Et j'en appelle à ceux qui n'ont pas encore pris leur carte de se mobiliser parce qu'on de plus en plus on s'approche de la fin. Surtout à Kinshasa, nous nous approchons de la fin. Les 3 mois, c'était long bien sûr, mais maintenant on s'approche de plus en plus de la fin. Et nous en appelons donc à ceux qui ne sont pas encore, se sont pas encore fait enrôler de venir le faire le plus rapidement possible. Déjà 34 780 000 personnes enregistrées dans le pays, soit 82% des projections de la CENI. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui l'a dit au sortir du bureau d'enrôlement de l'Athénée de la Gombe, a annoncé que ce week-end déjà, il sera au Kasaï pour le lancement des opérations d'enrôlement dans cette partie centre de la RDC. La Commission électorale nationale indépendante du Congo va lancer très bientôt les opérations d'enrôlement des électeurs dans l'espace kasaïen, du moins dans ces zones non encore couvertes. L'annonce a été faite hier lundi par le président de la centrale électorale au sorti d'une audience auprès du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. Corneille Nangaa a également dit avoir évoqué avec Emmanuel Ramazan Chadari la question de sécurisation des opérations dans les zones déjà opérationnelles ainsi que la perspective d'organiser
l'organisation de l'élection des gouverneurs dans plus ou moins 11 provinces où la vacance a été constatée. Il est question de lancer déjà les préparatifs de l'enrôlement au Kasaï. Nous nous préparons et d'ailleurs cette semaine nous allons nous rendre même pour faire la première évaluation. Il est temps pour nous de lancer l'opération d'identification et enrôlement des électeurs au Kasaï. Deuxièmement, il était aussi question de voir la question de la sécurisation, surtout dans les zones où nous sommes opérationnels pour l'identification et enrôlement des électeurs. On parle à Kinshasa de certaines activités du genre monnayage et autres. Nous avons passé à revue cette question. Mais en même temps, le week-end passé, le ministre de l'Intérieur nous avait saisi la CENI pour constater un certain, la vacance en poste au niveau de certaines provinces. Nous sommes donc venus pour discuter sur la question et demain nous allons publier les calendriers électoraux en rapport avec l'organisation des élections dans plus ou moins 11 provinces. C'est de cette question et nous pensons demain nous aurons un communiqué là-dessus. Et puis sachez que la Commission électorale nationale indépendante, ville de Mbujimayi, a, avec les concours de la police, démantelé le week-end dernier un réseau de faussaires et trafiquants des cartes d'électeurs. Elle a en effet mis aux arrêts la personne qui passe pour les cerveaux de ces réseaux. Il s'agit de M. Albert Kabeya, opérateur polyvalent de la CENI Mbujimayi et membre du mouvement citoyen Lutte pour les changements en sigle LUCHA. Au moment de son arrestation, Kabeya Albert détenait par devers lui 20 doublons des cartes d'électeurs émises dans des bureaux d'enrôlement différents ainsi que des documents confidentiels de la CENI. La CENI explique que ces actes sont de nature non pas seulement à fausser les données des opérations, mais aussi à compromettre les niveaux d'enrôlement. Les recherches se poursuivent pour démasquer les complices d'Albert Kabeya et pendant ces temps, la CENI et la police invitent les candidats à l'enrôlement, à la vigilance et au respect du processus d'enrôlement. C'est au cours d'une cérémonie organisée par la Banque centrale du Congo que le ministre d'État en charge de l'économie, Joseph Kapika, a lancé la nouvelle réglementation d'échange en matière de rapatriement des devises pour les opérateurs du secteur minier. Joseph Kapika a souligné l'importance de cette campagne qui vise non seulement à renforcer les mesures de sécurité économique afin de pousser les opérateurs miniers à rapatrier 40% de leur exportation pour éviter la crise macroéconomique, mais aussi pour réfléchir sur des stratégies devant stabiliser la situation économique du pays. Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogratias Mutombo Moyanimbo, a fait savoir que l'économie congolaise se porte mal avant de relever les causes et les stratégies qui permettront de lutter contre la dépréciation monétaire et la chute des matières premières sur les marchés congolais. Deogratias Mutombo a également affirmé l'engagement de la Banque centrale du Congo dans le contrôle des pièces de compte à l'étranger de toutes les sociétés minières implantées en RDC, mais aussi dans le suivi en temps réel et la vérification des informations transmise à cette institution. Par ailleurs, la Banque centrale du Congo compte réduire l'importation des produits miniers à l'étranger et la consommation des devises sur le marché local, tout en rappelant les dispositions légales et réglementaires selon l'article 266 du Code minier. Chose promise, chose faite, les travaux de réhabilitation du pont Maïko dans la province de la Tchopo ont débuté ce week-end. Ce pont qui relie l'axe Kisangani et Lubutu et mène vers la ville de Bukavu, Sud Kivu, date de l'époque coloniale et fragilisée vu sa vétusté. Mais aussi le tonnage de 25 tonnes maximum par véhicule n'est pas respecté.
Au cours des travaux, les matériaux détruits sur ce pont seront remplacés. L'anti-rouille sera aussi appliquée sur les matériaux. Question de renforcer le pont Maïko. D'ici 2 semaines, les travaux peuvent prendre fin pour que le trafic reprenne sur le pont Maïko. Certaines dispositions ont été prises pour une longévité de ce pont, notamment la sensibilisation des responsables des camions pour respecter le tonnage. Ensemble, le ministère des ITPR et le FONER mettront en place des dispositifs de paysage pour faire respecter les tonnages. La Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, condamne dans un communiqué publié lundi 17 juillet dernier l'enlèvement de 2 prêtres catholiques de la paroisse Notre-Dame des Anges de Bouniaka au diocèse de Butembo-Beni dans la province du Nord Kivu. Il s'agit de Reverend Abbé Charles Kipasa et Jean-Pierre Akilimali, pris en otage par une dizaine de hommes armés non encore identifiés les dimanches 16 juillet 2017, peu avant 22h. Partant de cette triste situation, cette commission de l'Église n'apprécie guère le climat d'insécurité qui a élu domicile dans les pays et invite de cette manière les autorités congolaises à accomplir correctement leur mission qui est celle de garantir la sécurité de personnes et de leurs biens. En outre, le membre de la CENCO demande aux forces de sécurité et de défense de tout mettre en œuvre pour retrouver les 2 hommes de l'église kidnappés et mettre hors d'état de nuire le réseau criminel qui sème le trouble dans cette partie de la République. À cette même occasion, les prélats catholiques ont aussi demandé la libération de 3 autres prêtres enlevés depuis octobre 2012, toujours dans les territoires de Béni. Déplorant ces cas d'enlèvement, le président de la CENCO, Mgr Marcel Outembi, a souligné que les prêtres sont des hommes des dieux qui consacrent leur vie pour le bien de la population sans un agenda caché et qu'en faisant du mal à ce dernier, l'ennui à toute la communauté. Commémoration à travers le monde de Mandela Day, ce mardi 18 juillet. Une journée essentiellement dédiée au grand leader africain Nelson Mandela en raison de sa noble et longue lutte pour la liberté des Sud-Africains. Chaque année, le 18 juillet, jour anniversaire de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, l'Organisation des Nations Unies appelle les individus partout dans le monde à consacrer 67 minutes de leur temps pour aider leurs semblables. Ces 67 minutes symbolisent les 67 années de lutte menée par cette icône pour l'instauration de la liberté et de la paix. Pour cette année 2017, la Fondation Nelson Mandela consacre cette journée à l'action contre la pauvreté, en l'honneur du leadership et du dévouement dont Nelson Mandela a fait preuve pour combattre la pauvreté et promouvoir la justice pour tous. Pour rappel, Nelson Mandela fut le tout premier président noir de l'Afrique du Sud post-apartheid de 1994 à 1999. Il est né le 18 juillet 1918 et il est décédé le 5 décembre 2013. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Des changements à la tête de la police nationale congolaise et des FARDC. Charles Bissengimana cède son fauteuil du commissariat général de la PNC à Dieudonné Amouli Baïgwa, venu des FARDC. Raoul Chaloué est nommé inspecteur général en remplacement de Jean de Dieu Oleko, mis à la retraite. Et à la tête de Kinshasa, Silvano Kasongo remplace Célestin Kanyama, qui est nommé directeur général des écoles et formations de la police. Et puis, le pont Maïko à Kisangani dans la province de la Tchopo fera bientôt peau neuve. Les travaux de sa réhabilitation ont été lancés ce week-end, comme annoncé par le ministre des ITPR. Le pont Maïko est d'une grande importance car elle relie l'axe Kisangani-Lubutu qui mène vers la ville de Bukavu au sud Kivu. Enfin, le 18 juillet 1918, date de naissance de Nelson Mandela, est commémorée chaque année à travers le monde. Mandela Day, une journée consacrée à l'entraide entre les humains pendant 67 minutes pour symboliser les 67 ans de lutte menée par cette icône de la liberté et de la paix. 2017, l'action est menée contre la pauvreté. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse, journaux paru en ligne ce mardi 18 juillet 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSTV. La nomination au sein de l'armée et la police, la poursuite du processus d'enrôlement en RDC et la prise de nouvelles décisions en l'endroit des entreprises minières par la BCC, tels sont entre autres le titre phare de cette synthèse de journaux. Après l'administration et les entreprises publiques, Joseph Kabila nomme dans la police et l'armée notre forum de ZAS en ouverture de cette revue de presse. Le confrère rapporte qu'en sa qualité de commandant suprême de la
la police nationale et de FRDC, Joseph Kabila vient de procéder à d'importantes nominations au sein de ces deux corps. D'abord, côté police nationale, c'est pratiquement tous les commandements au niveau central qui changent de visage. Même chose pour le très stratégique commissariat provincial de Kinshasa. Ainsi, le patron de la police, Charles Bissengimana, cède le commandement au commissaire divisionnaire Dieudonné Amouli. Le nouveau numéro 1 de la police nationale sera secondé par une autre grande figure, à savoir le général Mouché Diav, qui remplace le non moins célèbre général Raoul Chaloué. Dans la foulée de cette mise en place, un poids lourd de la police s'en va à la retraite après le bon de loyaux service. Il s'agit du général Jean des Dieux Olekom. Dans la capitale, le légendaire général Kanyama passe le flambeau au désormais général Kasongo, lui aussi bien connu des Kinois. A signaler enfin la montée en puissance du désormais ex-colonel Elvis, très populaire dans la Tchango, porté à la tête de la Légion nationale d'intervention. Pour ce qui est de FRDC, le chef de l'État a procédé à des nominations, notamment au sein de la 13e région militaire, de secteurs et de secteurs opérationnels. Poursuivons cette revue avec RadioCapi.net qui écrit « RDC, Joseph Kabila remplace Bissengimana par Amouli à la tête de la police. » Le président de la RDC, Joseph Kabila, a procédé ce lundi 17 juillet à de nouvelles nominations au sein de l'armée et de la police nationale congolaise. Le commissaire général de la police nationale congolaise, Charles Bissengimana, est remplacé par le général Dieudonné Amouli Baïgoua. Ce dernier était jusque-là chef d'état-major adjoint chargé des opérations de forces armées de la RDC. Le nouveau commissaire général de la police Dieudonné Amouli aura deux adjoints, Mouchid Yav Patience, police administrative, et Bengama Célestin, appui et gestion. Le général Célestin Kanyama, commissaire provincial de la police à Kinshasa, est remplacé par le général Silvano Kasongo Kitenge, jusque-là commandant de l'unité de protection des institutions et de hautes personnalités. Nommé commissaire divisionnaire, Célestin Kanyama prend la tête de la direction générale des écoles et formations. Alors qu'il était jusque-là l'un des adjoints du chef de la police à Kinshasa, Palanganawej Elvis, qui est nommé à la tête de la Légion nationale d'intervention. D'autres commandants de la police dans les provinces ont également été permutés ou nommés. Plusieurs autres officiers sont admis en retraite. L'inspecteur général de la police générale Oleko est envoyé en retraite. Il est remplacé à la tête de l'inspection générale par les commissaires divisionnaires Chaloué Raoul. Restons sur RadioCapi.net qui titre à sa manchette « La BCC somme les entreprises minières de rapatrier 40% de leurs recettes en devise. » Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogratias Mutombo, a donné lundi 17 juillet aux opérateurs miniers 2 semaines pour rapatrier en RDC 40% de leurs recettes en devise. Il a annoncé cette décision au cours d'une matinée de sensibilisation organisée à Lubumbashi portant sur la nouvelle disposition de la réglementation du change en matière de rapatriement de devises par les opérateurs miniers. Deogratias Mutombo a aussi indiqué qu'au cours du premier semestre de cette année, les entreprises minières ont réalisé des recettes de l'ordre de 3,8 milliards de dollars américains. Ils devraient rapatrier 1,5 milliard de dollars américains. D'après lui, ce rapatriement de devises va lutter contre la crise économique qui se fait sentir en RDC. Le rapport de mission diligentée par la Banque centrale indique que plusieurs entreprises minières ont développé des pratiques conduisant au non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière du rapatriement de recettes d'exportation, affirme. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kassai. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kassai pour la consolidation de la paix et le réconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore, les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu.
Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvon Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste révisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.